passé au débarras, on a beaucoup de monde des creux qui viennent faire leur petit tour, leur samedi, leur dimanche, ils prennent leur rituel, ils viennent faire un petit tour. Toujours, il y a toujours de la nouveauté, on fait rentrer beaucoup de choses à chaque fois, donc on essaye d'avoir pour tout le monde, même sur demande, on essaye d'en avoir, on demande des verres, j'essaye d'en avoir comme la, la dame de la mairie. Elle veut des verres à vin, je vais lui trouver des verres à vin. Il y en a qui ont demandé des verres à bière, on a trouvé des verres à bière. On essaye de trouver. Ils trouvent leur bonheur alors. Et ça s'appelle comment ici ? Au débarras. Au débarras. D'accord. Et parmi la clientèle, il y a beaucoup d'étrangers ou quel genre de. Hollandais, Belges. Ah, d'accord. Les Hollandais sont passionnés aussi par tout ce qui est ancien. Il y a beaucoup de passeurs. Oui, voilà, on est sur le bon axe, mais beaucoup, beaucoup de Belges. En plus, on a l'accès au camping-car, donc les gens s'arrêtent. Ah, d'accord. Et ils ont plus facilement pour se garer. C'est vrai qu'on a assez de place pour se garer. Du coup, les camping-cars s'arrêtent plus régulièrement. Et ton jour de fermeture ? Le mercredi. D'accord, mais autrement, voilà. Tu débarrasses les maisons aussi, non ? Oui, les maisons, les déchetteries, les ferrailles chez les gens. Oui. Bah, je fais du débarrassage encombrant. Allez, on va au numéro de téléphone. 06 32 83 10 59. Merci, ma grande. Merci. Voilà, adorable, c'est une bonne commerçante. Hein ? Oui. C'est vrai. Alors, attends. Quelque chose dans l'air à cette transe.